Nous voulons le retrait de cette réforme par points parce que nous prouvons que c'est une régression sociale, que nous pouvons améliorer aujourd'hui notre système de retraite, soit par une petite hausse de cotisation, soit bien sûr par une autre répartition des richesses. L'âge pivot est un écran de fumée. La plupart des enseignants ont un niveau, ce sont des catégories A, ils ont un niveau de bac plus 5, donc ils ne démarrent pas avant 23 ans. 42 annuités, tout le monde sait compter, on ne s'en va pas avant 65 ans. Donc l'âge pivot pour nous, c'est de la foutaise. Le gouvernement a mis exprès cet âge pivot pour mieux pouvoir le retirer et faire passer tout le reste. C'est le reste qui est très inquiétant, parce qu'il y a une paupérisation de tous les fonctionnaires et au-delà, avec ce système par points, de tous les retraités. On demande une pause, de revenir autour de la table des négociations, avec de vraies négociations, hein, pas d'une concertation sans nous laisser le choix de négocier, et qu'on fasse une pause et qu'on travaille justement sur l'amélioration du régime de retraite existant, des régimes de retraite existants. Oggi io trovo sicuramente un scopo nuovo per far che ci sia veramente qualcosa di mobilizzazione generale e quei mesi e con sicuramente un appuntamento che sarebbe a costruire, nel caso la Gostica che abbiamo fatto, ma veramente c'è sicuramente la volontà di niente perché la popolazione è da quelli che rivendicano e ci vorrebbe a trovare a maniera IVA perché questo governo possa rivendicare durante questa riforma.